Salut tout le monde, c'est Brez, on se retrouve sur Dofus Temporis Rétro, deuxième du nom, en compagnie de Titsoko. Salut. Et on s'était quitté la dernière fois dans la tour des défis devant Litiniel. Mais avant de faire ce petit combat, je me suis rappelé qu'on avait une quête qui nécessitait d'aller voir, enfin de retrouver la piste de tous les membres de cette compagnie de 4. Et donc là j'ai retrouvé la piste de Litiniel, donc je vais aller voir Lazarus pour récupérer le sac sans fond. Donc on va tout de suite, hop, on va retourner à l'entrée. On va parler à Lazarus. Donc, cher Ulrez, vous avez sûrement très bien des épreuves pour libérer mes compagnons. Votre audace n'a d'égal que votre talent. Merci, vous êtes un véritable ami. Le moment venu, nous vous relaterons le reste de notre histoire. Il manque une lettre en fait. Épuisez, réussir là où nous avons échoué. Donc, puissiez, je pense qu'il manque un i. Donc, j'ai fini la quête. Voilà. Donc, j'ai le sort moment sac sans fond. Où est-il là? Vous voyez, j'ai bien avancé dans les sorts. Sac sans fond, normalement, je l'ai récupéré. Avant que ça soit un item que je dois d'abord débloquer. Non. Je l'ai pas. Non, je l'ai pas. C'est bizarre. Enfin bref, peu importe. Juste, tant que j'y pense, je vais ouvrir ça. Armure éthérée. Peut-être quand on ouvre ça, ça va donner le truc, mais je crois que c'est un légendaire. Enfin bref, on va voir. Hop, bon ça c'est cool. J'ai déjà un niveau maximum. Coup d'our. Ok. Je ne l'ai pas. Donc non, si je pars celui-ci, non. J'ai l'impression que je ne l'ai pas. Le sac sans fond, c'est dommage. Je vérifie encore une fois, mais non, je ne l'ai pas. Non. Non. J'ai pas l'impression. Bon, peut-être en faisant le combat de Litiniel. Donc, hop, je vais aller voir ce combat. Bon, nous voilà devant donc Litiniel. Je pense que j'ai pas forcément besoin de récupérer ma vita pour le lancer. Donc hop, on va lui parler. Donc je vous laisse lire si vous le souhaitez, mettez en pause. Mais moi je vais passer assez rapidement là-dessus. Hop, bon là, je vais pas lire. Chaque fois j'essaie de lire, je vais pas assez rapidement, je lis pas assez vite. Et ça ne m'intéresse pas forcément plus que ça au final. C'est très long. En fait, c'est que tu peux pas le passer. Ouais, si tu pouvais le passer, ça serait bien, mais je pense qu'en fait, ils se sont fait chier à faire une histoire et dans mon avis, ça va leur casser les couilles que tu ne la lises pas. Donc ils se sont dit, on va mettre obligatoire, comme ça tu le lis, puis voilà. Bon, moi, c'est le truc qui me déplaît. Mais donc, peut-être qu'à la fin de ce combat, je vais pouvoir récupérer le sac sans fond parce que si j'ai bien compris, ça permet d'avoir justement une ligne de drop supplémentaire, un petit peu comme un coffre animé. Donc pour les moments de farm, ça peut être vraiment pas mal. Donc j'attends ce sort avec impatience. Mais vu que je l'ai fini, je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas. Et d'ailleurs, prochainement, vous allez peut-être voir une vidéo qui va sortir. Ce sera la vidéo où on va faire un petit gladiatrol. J'ai récupéré un jeton et Titsoko a aussi un jeton. Donc on va pouvoir faire ce gladiatrol. J'avais ouvert le inventaire, vous n'avez même plus voir les discussions, désolé. Mais donc on va faire un gladiatrol avec Titsoko parce que il semblerait, d'après ce qu'ils ont dit pendant la... Ouais, mais ne spoil pas, il semblerait qu'il y ait des petites surprises. Mais non, mais ils l'ont dit pendant la en Kama Live. Je sais plus comment ça s'appelle, en gros, où ils font un live avec, il y avait Dusk, il y avait Logan et je sais plus l'autre comment il s'appelle. Et ils ont précisé que il y aurait... D'accord, ok, c'est le convoi, il est d'accord. Ouais, et que le troll loin, il y avait... Ah d'accord, ouais, ça a mis du temps. Donc il y aurait des surprises et que il y avait
n'est pas une nécessité, mais que ça sera intéressant de faire le Dungeon Crawl. Il y aurait des récompenses, mais ça sera avec les classes, comme ils disent, vanilla du jeu. Donc, à voir ce que ça donne. Donc, espionnage. On dévoile tous les objets invisibles. C'est pas mal ça. Flèche d'entrave, c'est quoi ça? PM perdu, ok. Tu peux pas le faire, en fait, tu peux faire juste espionnage et le dernier. C'est tout ce que tu peux faire. Flèche révélatrice. Ok, bon bah espionnage. Alors à moins que toi tu ça fonctionne. Ok. Ah oui, sans ligne droite on peut pas le. Ouais, c'est débile. Bah, si ça je peux taper ça. Mince. Oh mince. J'ai pas assez de temps, j'ai trop de temps à lire. J'ai pas eu le temps d'utiliser tout. Tout mes épais... PA. La trop était ici. Donc, est-ce qu'il a bougé au moins? Oui, il a bougé. Le 3PM peut être ici. Il ne l'est pas. Il peut être ici. Non plus. On va essayer ici. Il est là. Je l'ai déjà fait. Il tape très fort hein, quand même. Il tape très fort. Donc 3PM est ici. Des ponts gros dégâts. Il était ici, donc est-ce qu'il est revenu à sa position de départ? Il est là, parfait, je l'ai vu. J'ai pas la PO pour flèche d'entrave. C'est calculé, ça va peut-être l'obliger à s'avancer, donc 3 PM, je vais essayer ici. Non, il est pas là. Nickel, je l'ai eu. Hop. Ah oui, j'ai plus assez de points d'action. Ah, je suis en train de prendre un peu cher quand même au final. Il m'a pas tapé. Ça c'est cool. Ah, il avance. Donc je vais peut-être pouvoir le taper avec flèche d'entrave. C'est... Ah, je peux pas. D'accord, c'est n'importe quoi. Je vais dire, tu peux taper avec. De mettre des autres sorts si tu peux pas les faire. C'est parce que celui-là il est au moins en fait. Mais ça c'est ouais. Le sort de base de l'outil. Ok. Et ici il a vu qu'il a pu me taper, il va peut-être reculer. Donc on va essayer ici. Non. Est-ce qu'il s'est encore avancé? Il était ici donc on va tenter la flèche ici. Non plus. Ici. Mince. Est-ce qu'il a reculé non, ici, peut-être ici. Mince. Ça marche pas tellement ça. Est-ce qu'il serait ici? Est-ce qu'il s'est avancé? Mince. Je ne l'ai pas. Là, j'ai plus du tout. La chance, est clairement. Ça se trouve, en fait, il est resté là, il n'a pas bougé. Le défi de board accompli, la main de maître. D'une main de maître Arlitiniel, le groupe semblait être tout à fait compétent. Bien, ok. Allez, on se dépêche. C'est fait. Parfait. Bon, bah, 60 tombes poteaux, 60 parchevons. Je vais retourner voir Lazarus. De moi ce sort. Bah en fait s'il te plaît. Tu passes d'abord ce combat là avant d'aller voir les Arus. Non, j'ai en fait avant de faire ce combat j'avais déjà fini la quête. Okay. Je vais vérifier encore une fois. Voilà, je passe pas trop vite pour voir. Non plus. Toujours pas. De toute façon, normalement, ça doit être dans. Ça doit être là-dedans, je pense, ou là, dans invocation. Le sort de base, il est normalement là-dedans, je pense, ou dans. Enfin, c'est peut-être invocation, parce que normalement, c'est un coffre pour ajouter une ligne. Sac sans fond. Bah oui, il est là, mais je l'ai pas. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est ça, c'est le coffre de l'inotrophe, quoi.
mais je comprends pas trop le truc vu que je ne l'ai pas. Ouais, je suis perplexe, je comprends pas le truc. Ouais, peut-être un bug, ils ont pas encore mis le sort, mais ouais, c'est tout de même bizarre. Bon, c'est cool. Je peux descendre à l'étage d'en dessous. Ah oui. Donc là, c'est la salle suivante. Apparemment, c'était un défi communautaire. Bah, bon, ça a déjà été fait. Donc voilà. Hop. Partir avec l'agressement. Donc c'est fait. On a récupéré encore 60 parchetons. Mais c'est cool. Ça avance. Et donc, le prochain défi, qu'est-ce que c'est? Ah oui. Fend la gueule le comique, Fofolle la joyeuse, Fantoche le pantin, Fantrasque le rêveur, Fend dans l'œil le précis. Ok. Ok. Ça va être quelque chose. Mais je pense qu'il y a moyen de le faire avec des gens qui sont déjà présents dans la salle. Il y a moyen peut-être de faire quelque chose de sympathique. Enfin bref, mais ça sera dans la prochaine vidéo. On est déjà à 11 minutes de vidéo. Donc on va se laisser là pour le moment. Donc prochaine étape dans la prochaine vidéo. Pour pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine. Salut !